these things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. Your suffering will be legendary even in hell. Merci Pinel, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, hier, j'étais malade. Je n'ai pas pu faire la partie 3. Donc on va se rattraper tout de suite. Hein. On va reprendre l'excellent Little Nightmares. Partie 3 donc. On va passer tout de suite aux choses sérieuses. Nous étions arrêtés juste après un passage assez délicat. Je vais allumer ma lampe torche, voilà. C'était un passage assez délicat, vous vous souvenez, hein, pour ceux qui ont regardé les VOD ou qui étaient là en direct avant-hier. Il a fallu courir, il y avait des mains un petit peu partout. Et c'était assez complexe. C'est bon, j'ai l'impression que le son, ça va. Je vérifie quand même, excusez-moi. Voilà, non, c'est bon.
Que demande le peuple? Quitter, non. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Excusez-moi, j'avais quelque chose qui m'empêchait de voir si le son du micro fonctionnait, donc il a fallu que je fasse un petit check-up. Donc là, nous retrouvons notre petit personnage. Et nous venions tout juste d'arriver ici, hein. Donc là, je découvre, hein. Il y a une caisse, là. Allez, il va me grabber ça, bien sûr. C'est lourd. Il y a de la vibration, là, dans la DualShock. Alors, je me souviens plus si on avait actionné ce petit interrupteur. Voilà, ça va être mieux. Parce que avant de partir, avant-hier, nous l'avions fait. Et là, évidemment, j'ai oublié. Eh oui. J'ai oublié. Donc, il y a de la savonnette, il y a de la douche. Il y a dû y avoir un peu d'enculade. Mais c'est pas notre propos. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc, nous partons. Là, il y a un petit collectif. Regardez-moi ce petit fantôme. Voilà, bon, on en a eu trois, hein, je crois, hein, depuis le départ, hein, l'aventure. Alors, est-ce que c'était juste pour avoir le collectible? Je ne sais pas. Est-ce que je peux monter? Non, ils peuvent juste faire des tractions. Dans la VOD, j'ai fait une terrible erreur, j'ai dit que c'était des pompes. J'ai reçu énormément de messages pour me rappeler à l'ordre, alors je m'en excuse. Bon, est-ce que c'était juste pour un collectible ici? J'ai l'impression, hein. Salut Aurel! Oui, voilà! T'as compris? Un petit coquin, comme on dit. Comment vas-tu? Je vais très bien, moi. Merci. Fait plaisir de te voir. Fidèle parmi les fidèles, Aurel, évidemment. Donc on va continuer. Est-ce qu'on peut les ramasser, d'ailleurs, ces savonnettes-là? Ah, c'est dangereux, hein? Ah mais oui, on ramasse la petite savonnette, et pour cause? Pour actionner l'interrupteur. Allez. Tu vois, Aurel, tu viens d'arriver, ça y est, c'est déjà ça, c'est une affaire qui roule. C'est une affaire qui roule. D'ailleurs, pour te dire bonsoir, on va demander au chien de te saluer. De te saluer, pardon. Hop. Et voilà. Oh, mais fallait me le dire que mon écran, mon fond vert, il déconne complètement. Il faut que je joue comme ça. Personne ne me dit rien. J'étais pas du tout en face, donc on voyait mon volet. Pas grave. Comme je dis toujours, les puristes rectifient d'eux-mêmes en temps réel. Donc là, on a une porte. On a une petite porte. Alors, je vais essayer d'être le plus efficace possible, hein, évidemment, dans mon gameplay, dans mon skill. Là, on peut pas sauter. Salut, Léa! Oh là là, Léa aussi, allez, hop! Puisque c'est comme ça, la version 2. La version 2. Il y a eu des petits effets de rajouter. Ah voilà, voilà. Mais moi je suis comme ça quand je commence à gâter mes enfants. Je ne peux plus m'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Claire la tête. Fait plaisir que Léa soit là aussi. Fidèle parmi les fidèles aussi, Léa. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va pousser la chaise roulante pour qu'elle ouvre la porte? C'est quoi? Il y a traction, mais il n'y a pas assez de force. Je peux pas monter dessus? Non. Bon, des fois, tout simplement, il suffit de pousser la porte, alors... non. Il veut pas. Alors, je regarde autour de moi, parce que c'est une chose que je fais rarement, c'est de bien regarder. J'ai encore regardé la VOD de avant-hier. J'ai regardé avec mon fils là dans la nuit. Parce qu'il dort pas lui la nuit. Hein. Je vous rappelle, il a un mois. Il y a beaucoup d'erreurs. Hein. Beaucoup d'erreurs d'inattention. Trop. Alors, est-ce qu'on peut monter sur l'évier? Ben, il m'a l'air bien haut. Non. Alors là, je ne vois pas là. Attendez, les sangles là, non. Bon, il faut que je me remette dedans, hein. Il faut que je me refasse à la logique. Bon, vraisemblablement, on a ouvert ici, donc c'est par ici qu'il va se passer un truc. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Faut essayer d'être méthodique. On a ça, il est là lui, il est là, donc il faut faire quelque chose.
En plus, regardez, quand je me mets bien face à lui, mon personnage automatiquement pointe sa lampe torche sur son visage. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Qu'est-ce que... Quoi? Bon, une chaise roulante, en général, ça se passe par derrière. Faut pousser, alors. Alors, il faut, faut enlever le frein? Moi, j'ai eu un grave accident, hein, quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, j'ai eu un grave accident. J'ai eu une chaise roulante pendant un mois et demi. Hein. Pas marché pendant 6 mois. Hein. Alors, si vous voulez follower, c'est le moment. Hein. C'était pas facile. Hein. Rien que d'y penser, ça me donne encore envie de chialer. T'as un carton près de la baignoire, peut-être monter. Je vais voir ça. Tu me dis que j'ai un carton près de la petite baignoire. Ah oui. Alors, c'est pas un carton. C'est un seau. Tu parles de ça, hein? C'est un petit seau. Et on peut pas le prendre. Bon, est-ce que je peux monter à la tuyauterie? Bon, c'est curieux là. Il faudrait qu'on prenne une autre savonnette. On a appris que quand... Ah, mais il faut qu'on prenne peut-être la caisse. Bon, en même temps, si je... Non, je peux même pas la prendre. Il veut juste monter dessus. Attendez, il y a cette autre caisse. Attendez. Je retourne ici et je regarde à quoi ça pourrait nous servir d'avoir la caisse. On pourrait monter dans la baignoire. On pourrait monter sur le petit personnage. On pourrait faire plein de choses. Je vais chercher la caisse. Les possibilités sont infinies avec la caisse. On va aller la chercher. Allez, viens là. Ça me paraît curieux quand même qu'on ait à se taper tout le chemin avec la caisse. Est-ce qu'on peut monter dessus déjà? Enfin, parce que je prends une trimballer la caisse et me casser le dos. Prends une me casser le dos. Pour pas grand chose. À mon avis, c'est pas ça. Hein. Je vois mal les développeurs nous emmerder à trimballer une caisse. Pour que. Ça me paraît curieux. Hein, parce que c'est tellement loin. Bon, en même temps. On n'a pas d'autres choix. Hein. On n'a pas beaucoup d'alternatives. J'ai mis le téléphone très très bien, là, je le vois très très bien. Donc normalement, je devrais pas louper un seul message cette fois. La dernière fois, j'ai eu beaucoup de messages que j'ai loupés, hein, je m'en excuse. J'essaye de m'améliorer, mais... L'homme est faillible. L'homme est faillible. Vous le savez. Alors je vous gâte pour essayer de rattraper ça, mais... J'ai bien conscience, hein. J'ai conscience, moi le premier, que... Je pourrais pas racheter tout. Je pourrais pas tout racheter. Non, ça sert strictement à que dalle. Ça me fait très plaisir. On va aller voir la baignoire. Avec notre caisse de savon. Allez. Allez, allez, allez. Hop. J'ai eu peur qu'il veuille plus monter dessus. Ah voilà, maintenant je suis dans la baignoire. Alors le jeu ne l'avait pas prévu, regardez. Je traverse le corps. Non, c'est pas du tout ça. Hein. Bon, on va aller voir l'évier. Et je peux plus ressortir. Je suis soft lock. Pardon. Je suis soft lock. Mon dieu. Qu'est-ce que t'en penses? Oh là là. Je me suis soft lock. Je ne peux pas. Et on recommence. Putain. Recommence ces derniers points de sauvegarde. Oui. Je peux plus ressortir de la baignoire, Romain. Alors comment on fait? On recommence. Bon, allez, hop, ça va aller vite là par contre. Ok. Bon, du coup, ça me donne envie de m'intéresser à là où nous étions, mais... Ah, c'est un début un petit peu laborieux, hein. Je vous le cache pas, hein. Je m'en excuse. Alors, est-ce qu'on a oublié, quelque chose d'essentiel ici? C'est curieux ici, hein. Ah, il veut pas monter en plus. Je pense qu'ici c'était juste pour avoir le petit collectible. Hein. On a eu un petit personnage. Tiens, je viens de découvrir que les deux touches permettent de se baisser. Ce qui va ne servir strictement à rien pour notre aventure, mais tout de même. Ça, on peut le prendre? Non. Alors, je reprends mon savon. Il n'est pas là, Nictaras, ce soir pour nous aider avec ses conseils déments.
Attendez, admettons nous prenons la caisse, là, et admettons nous nous emmerdons à la ramener. Déjà, le coup de la baignoire m'a vacciné, hein. Imaginons nous sommes sur le sink, là, sur le... Comment vous dites, vous, les Français? Le... L'évier, là. Lavabo, pardon. Ah, mais on peut monter! Regardez, là, il y a une petite ouverture. Donc, il faut le fauteuil roulant. Faut qu'on fasse quelque chose avec ce fauteuil roulant. Il faudrait mettre un savon sous la roue. Il faudrait lancer quelque chose sur l'handicapé. C'est ça que le jeu j'essaye de nous faire dire. Il faut s'occuper des handicapés. Faut les caillasser. Faut utiliser la caillasse. Ça me paraît curieux, cette histoire, c'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, là. Il faut qu'on monte grâce... Alors, j'ai compris, hein. Il faut qu'on monte grâce à... À Mister, là. Mister handicapé. T'as pas une idée, toi? Il a pas d'idée, lui. Il a jamais d'idée. À part péter votre écran, il est pas d'une grande utilité. Il était pas d'une grande utilité, je suis désolé, hein. J'ai beau t'améliorer j'ai beau t'améliorer à chaque fois sur Adobe Premiere. Un jour, je trouverai une animation où il m'aidera. Pour l'instant, on en est que... C'est que le début, hein. Il va évoluer au fil du temps, ça c'est une certitude. C'est comme la mouche. Elle est vouée à un jour à être papillon. Elle sera papillon un jour. Vous avez pas des idées, Léa? Léa, Aurel, vous avez pas une petite idée, là? Je me trouve un petit peu dans l'embarras. Je me trouve un petit peu dans l'embarras avec cet handicapé, cette porte. C'est tout con, hein, je suis sûr. Y a pas un frein, y a pas quelque chose. Là, je vois vraiment pas. Même si je bouge la caméra. De quoi, de caisse? Je peux monter là-dessus? Non, y a vraiment, j'ai aucune interaction avec que dalle. Bon, la baignoire, on se fait plus avoir. Je vais rechercher la caisse. On tente à nouveau. Oh, j'ai l'impression qu'on perd notre temps, là. Puis elle est drôlement loin. Non, il y a plusieurs savons, donc le... S'il y aurait qu'un savon... Bon. Ah, et Aurel a pas d'idée non plus. Alors là, je sèche. T'as renversé le seau près de la baignoire? Bah, j'ai essayé de le pousser, mais il n'y a aucune interaction. Puis vous avez vu, en plus, déjà, quand on est près de lui, la caméra fait comme s'il n'existait pas, alors... C'est pas ça, quoi. Non, non, il n'y a aucune interaction. Les sangles, là, non plus. J'essaye d'être... Ah, tu parles peut-être de ce saut-là. Hein. C'est la même chose. Il n'y a pas d'interaction. Non, ça doit être un... Là, je vois bien qu'il y a un petit bâton. Alors peut-être qu'il faut que je range ma lampe torche. Ah oui, attendez, parce que ça se trouve, il peut pas faire des choses quand il y a la lampe torche. Je suis en train de réfléchir. Mais je crois pas, hein. Depuis le début, il nous a... Je crois pas, hein. Ah bah là, je me trouve bien dans l'embarras. Ah bon, en même temps, c'est pour ça qu'on est là aussi, hein. Si tout était facile, oh, y a, quoi, on roulerait sur le jeu, ça serait pas intéressant. Non, non, il faut que... On a du savon. Et si je mets du savon par terre? Ah, mais non. Dans un autre jeu, pourquoi pas? Ça aurait fait glisser ou je ne sais quoi. Non, il veut pas. C'est pas du tout... la caisse, tu montes sur le lavabo. Alors, je veux bien. Je veux bien tenter. De toute façon... Allez, on va faire l'idée d'Aurel. De toute façon, j'en ai pas d'autres. Alors... Ce qu'il y a, c'est que la caisse est drôlement loin. Il va falloir que vous me supportiez pendant tout le voyage. Vous en êtes conscient? Pas sûr que vous ayez conscience de ça, hein. On va ramener cette caisse de... Soap case, in fact. En fait, c'est une caisse de savon, quoi. Elle est bien lourde pour mon petit dos. Moi, je veux bien. Hein. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Hein. Là, alors peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas vu dans le décor. Mais
Les possibilités là sont très moindres, hein. Alors, peut-être, je sais absolument pas. On va voir. De toute façon, c'est pas idiot, on n'a pas autre chose à faire. Alors, testons, hein. Testons. On est là pour résoudre les énigmes ensemble. Quand il y a difficulté, je fais appel à vous, hein. C'est comme le capitaine Flamme. Il n'y a plus aucun espoir. Je chatte. Je suis en train de te dire un truc, Aurel. Ah, regardez, il veut pas. Le sol est un tout petit peu plus relevé. On ne peut pas pousser la caisse plus loin. Donc vous savez ce que je vais... Attendez, peut-être que je peux l'attraper quand même. Bon, en même temps, si je monte sur le lavabo, je vois pas à quoi ça va me servir. Hein. Non, on peut pas. Peut-être que la caisse... Ça va m'aider à monter sur le... Sur l'handicapé, par derrière. À la fourbe. Et regardez, on peut la pousser complètement sous lui, hein. Allez, saute, coquin. Il veut pas. Non, là, je crois que il y a un truc qui m'échappe. Il veut même pas choper le dossier. Il veut pas, il veut rien entendre. Ça l'intéresse pas du tout, nos idées. Alors, ça fait déjà 21 minutes. Sur le... On avait une progression qui était d'une fluidité. J'ai reçu énormément de messages pour me féliciter. Il y a eu des forums qui se sont créés, ça m'a mis mal à l'aise pendant 2 jours. C'est pour ça qu'hier j'ai pas streamé. Beaucoup de gens m'ont félicité, oh là là, qu'est-ce que c'est fluide, comment tu fais, c'est la première fois que tu joues au jeu. Les développeurs m'ont écrit, et puis là, bah voilà, là, c'est la Bérésina, hein, comme on dit. C'est la Bérésina. La Bérésina. On est bloqué au premier tableau, quoi. On part 48 heures, on sait plus jouer au jeu. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Alors, mais en même temps, quand on va trouver la solution, hein, on va être content. Hein. On va être très 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 content. Hein, on va être content. Évidemment qu'on va être content. Bon, et on va aller regarder un peu dans les coins. Hein. Il y a forcément un truc qu'on n'a pas vu. Il n'y a pas un petit levier, une petite saloperie? C'est curieux quand même. Salut Vénus. Bonsoir. Bonsoir ma chérie. Tu es sous ton véritable nom. En plus il y a ma femme qui me regarde. Alors je suis un peu... Là je commence à stresser. Il faut que je joue bien là. Sinon ça sent la rupture. Bon, est-ce qu'on a loupé quelque chose d'autre ici? C'est quoi? Je comprends pas. Faut qu'on refasse un coup de... Attendez. Je vais remettre dans le noir. Est-ce que ça nous donne une autre indication? Oh putain, oui, ça nous donne une autre indication. He's here. He's alive. Eh ben, il faut... Ok, bon. Au moins, c'est une affaire qui roule, on a compris. J'ai remarqué sur la VOD que quand on leur met la lampe torche, comme disait Nick Taras, alors que je me moquais de lui... Oui, les personnages s'arrêtent quand on leur met la lampe torche dans les yeux. Bon, il fallait le savoir. Hein. Allez, on aurait pu passer plus de temps. Finalement, je suis pas trop mécontent de moi. J'ai quand même compris. J'aurais dû y penser, en fait. Et en regardant la VOD, oui, je me suis rendu compte que les personnages arrêtaient de nous courser quand on leur mettait la lampe torche dans les yeux. Donc là, il va falloir faire la même chose. Regardez, ça les fige. Ah merde. Alors, il va falloir la faire subtile, là. Il va falloir être subtil. C'est pas mon fort, hein. Vous le savez. Là, il va falloir la jouer... Alors, est-ce qu'il a sauvegardé? Non, il a pas sauvegardé. Faut se refaire le coup du savon. Que la salle en tienne. Je vais essayer de bien manier ma torchlight pendant que je me déplace. C'est pas évident, je vous assure. C'est pas facile. Mais on va y arriver. Alors si Nick Taras était là,
Il aurait vu qu'il avait raison sur toute la route depuis le départ. Donc il faut... Voilà, alors... Déjà, il faut que je comprenne bien. Vous voyez, c'est pas simple. Ah, vous voyez, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Et je cours. Ah, je peux reculer en même temps que j'éclaire. Déjà une bonne nouvelle. Et ça va être chaud, hein. Bah, petit à petit on progresse, mais bon, c'est chaud quoi. C'est chaud de ramener le siège en même temps et de la tenir à distance. C'est un petit peu chaud. Bon, ça serait bien qu'on y arrive là, parce que sinon, une demi-heure sur le même tableau, tout à l'heure on était 10 000, là maintenant on n'est plus que 3, bon. Je sens bien que ça agace, ça agace certains. Alors, à moins qu'on puisse faire quelque chose pour la stopper. Pour qu'on puisse... J'ai toujours la possibilité de remettre la lumière. Faut pas qu'on oublie. Voilà, je commence à comprendre un peu mieux le gameplay. Ce qui me fait peur, c'est quand la lampe torche va s'éteindre quand je vais tirer la chaise. Tu peux pas éteindre la lumière pour qu'il soit debout et après tu remets la lumière? Ah mais évidemment. Mais évidemment, merci Aurel. Voilà. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Évidemment. Moi j'ai le nez dans le guidon. Et voilà, merci Aurel. Merci Aurel pour la peine. Allez, tu le salues s'il te plaît. Merci. Ouais, bien vu. Moi j'étais en train de faire... Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et j'y aurais... Alors encore une fois, j'aurais peut-être pensé si je streamais pas. S'il y a toujours un petit côté... Bah, comme je vous dis, la tête dans le guidon quand on joue. Ah! Ah, ça me plaît bien. Le fait qu'il puisse pas. Ah, si. Ça m'aurait bien plu, ça, que ça marche pas. Bon, merci Aurel. Je crois qu'on t'a tous félicité là. Allez, on va la garder en joue, elle. Ouais, ouais, Nick Taras avait complètement raison. On peut les stopper. J'essaye de faire du mieux que je puisse. Là, je vais être bloqué, là. Ah non, c'est bon. J'essaye de... Comme j'ai mal joué, j'essaye d'avoir du bon skill, là. Merde, allez. C'est bon. Alors, oh, les clampins, là. Vous n'allez pas nous emmerder, hein. Vous savez quoi? On va même un petit peu les narguer en leur envoyant un petit ballon. Allez jouer avec ça. Ah, ils l'ont gardé, hein. Ils l'ont pris, le ballon, regardez ça, ils le renvoient. Ça veut dire que peut-être on va avoir besoin du ballon. Merci. Allez. Alors ça, c'est le chauffage individuel, hein, comme on en avait déjà discuté. Et ben, j'ai bien fait de rester longtemps. Ça nous a permis d'avoir le plug. Ah oui, c'est vrai qu'on était là pour avoir des plugs. Bon, là, si on n'est pas trop idiot. Allez, Billy. Salut, Billy. Ça faisait un petit bout de temps, hein. On s'était pas vu pendant le... Hein. C'était le confinement. Allez, Billy, mets-le dedans. Fais pas le con, Billy. Laisse pas là. Allez, c'est une affaire qui roule. Bravo, Billy. On se check, on se frotte les coudes. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on fait rien. Donc on a réussi à faire ça, mais alors ça nous a servi à quoi? Eh ben on récupère le plug, évidemment. J'allais repartir sans le plug alors qu'on était venu le chercher.
Ça nous a servi à quoi? Parce qu'on est venu avec un plug. On est revenu, on est reparti. C'est un, vous vous souvenez, on est venu ici grâce à un plug. Ah, on en a récupéré un autre parce qu'il est resté dans la porte, c'est ça? Eh oh, Billy casse pas tout non plus, c'est pas parce qu'on n'est pas là, on n'est pas chez nous. Hein? Après, on va passer. Qu'est-ce que vont dire les gens? Oui, donc maintenant c'est bon, on a trois plugs. Ah, il a pris le plug, Billy? Il prend des initiatives comme ça? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Allez, tu le fais ou je le fais? Oh, c'est une bonne petite team, ça fait plaisir. Allez, tu rentres en premier? Allez, j'y vais, suis-moi. Suis-moi, mon petit pote. Suis-moi, mon petit pote. Tout va bien se passer. Bon, tu permets, Billy? Je vais aller en reconnaissance. Reste pas loin, mais reste derrière moi. Je gère. Je gère. Allez, on hâte le pas. D'un pas mécanique mais régulier, nous traversons le corridor. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Vous avez vu ça? Vous avez entendu aussi ça? Il y a de la rigolade par là, mais je suis pas sûr que nous ça nous fasse rire. Vous avez une qualité magnifique là, je suis en train de regarder votre retour, vous êtes gâtés là. J'ai mis tout au maximum bitrate. Peut-être que ça vous parle pas, mais c'est combien j'envoie. Comme j'ai la fibre, j'ai la chance d'habiter Paris. Ah, merci Aurel. Oh là là, décidément, allez, hop. On te remercie à notre façon ici. Merci à toi pour le host. Toujours plaisir. Du coup, je sais plus ce que je racontais. Ça devait être une bêtise. Parce que vous avez remarqué, j'en dis quelques-unes. Hein. Bon, là, c'est quoi alors? Vous avez vu, c'est quoi cet endroit? Il y a des mannequins, ça fait office d'asile et en même temps d'hospice. Là, il y a du sang. Oula, oula, quoi, quoi, qui, quoi, quand? Aurel! Oula, 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 vite! Il faut prendre ça, Aurel. Merde. C'est bon, c'est pas fait avoir. Allez, prends-la, là. Mais merde. J'ai voulu prendre la barre pour lui mettre un petit coup, évidemment. C'est toujours ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas, on lui met un petit coup de baramine. Et mais là, ça l'a pas. J'ai pas été assez rapide. Ça ne l'a pas effectué. Crématorium, oui. C'est un mélange d'hospice, de crématorium, d'asile, enfin tout ce qui nous fait bien plaisir. Tout ce qui nous fait bien plaisir. Allez. Bon, ça va, elle est facile à éviter. Ah, elle est là, la barre. Merde. Allez, allez, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je vais te faire du bien. N'aie pas peur, je vais te remettre les phalanges, là. Alors, c'est trois fois, hein, comme dans les Super Mario. Faut lui mettre trois coups. Allez, viens là, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je vais te faire du bien. Après, ton alliance, tu vas pouvoir bien la remettre. Allez, Billy, dépêche-toi. Hein. Ah, c'est bon, il y en a une qui est morte. Il y a besoin d'aide ou quoi? C'est bon, c'est une affaire qui roule. Encore une fois, et c'est bon. Allez, Billy, enlève la dernière planche pendant que je m'occupe de la chose. Bon, c'est bon. C'est réglé. C'est réglé. Quoi, il veut de l'aide? Allez, je t'aide. La famille Adams, et voilà. Évidemment. Tout à fait. Alors là, on a des beaux masques. Si, ce sont des masques. Dans le meilleur des cas, ce sont des masques. Très très beau jeu. Hein. Quand on fait une petite pause comme ça, quand on revient, ça fait plaisir. Moi, j'étais en train de jouer à Is,
9. Bon, c'est pas le même graphisme, hein. Mais c'est tout aussi excellent. C'est autre chose. Allez, on se dépêche. C'est quoi ce monstre? Oh, mais. Bon, allez, vous avez vu là encore? Il m'a attrapé, mais il m'a pas attrapé, hein. On est d'accord. Allez, on se dépêche. Maintenant qu'on sait qu'il est vilain. Bon, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est une espèce de lombrique. Hein? Dans un cocon. Est-ce qu'on peut lui mettre un petit peu de lampe torche dans la tête pour le calmer? Oui. Ah non, pas du tout. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je pousse Billy? Hein, je pousse Billy. Bon, Billy, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, mais à un moment donné, faut qu'il y en a un de nous deux qui fasse un effort. Hein. Et je crois que ça va être toi. Donc tu passes en premier, je te prie. Allez. Tu passes en premier, puis tu lui expliques pourquoi on est là. Alors peut-être qu'il faut y aller tout doux. Oula, oula, non, 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 non. Oh, mais c'est qui ça? C'est Monsieur Fernandez. C'est Monsieur Fernandez, ça. Je vais éteindre ma lampe torche. Faut qu'on soit patient avec Monsieur Fernandez. Il travaille, il est minutieux. Faut pas l'emmerder. On va pas l'emmerder pendant son travail. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? Il répare les gens ou il fait le contraire justement? Attendez, je mets bien la caméra. Il nous a pas vu, hein. Par contre, pour aller aux toilettes, ça doit pas être simple pour lui. Ah oui, faut pas faire de bruit en fait. Hein. Alors qu'est-ce qu'il fait? Oui, voilà. Il répare les gens ou il fait le contraire? Je suis curieux quand même. C'est le nouveau croque-mitaine. Hein. On a eu la maîtresse d'école. On a eu René. Et là, on a Monsieur Fernandez. On peut passer par là. Voilà, voilà, c'est bon. Hop là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oula, attends, attends. Il a pas fini son tour de garde. Ah, il est... Il va soulever le lit? Non. Non, 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 c'était que du chiquet. Allez, on y va, Billy, hein. Finalement, j'ai changé d'avis, tu restes avec moi. Mais on se dépêche. Tu lui as mis une parabole sur la tête. Il lui a mis une parabole sur la tête, oui, voilà. C'est pour mieux capter la TNT. Il s'occupe du confort des patients, comme vous pouvez le voir. Bon, là, il va falloir jeter quelque chose. Moi, je serais bien d'avis de jeter Billy, hein. Hein, Billy. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, j'ai peur, hein, quand même, un petit peu, parfois. Bon, Billy, on se fait la courte, là. Il y a quelque chose, hein. Allez, Billy. Allez, Billy. Attendez, attendez, attendez. Il veut pas me faire la courte, là, Billy? Vraiment peureux, aujourd'hui, Billy, hein. Je l'ai connu plus gaillard, hein. Vous vous souvenez, hein, c'est un légionnaire. Il faut qu'on jette quelque chose sur le petit bonhomme. Sur le bouton, pardon. Mais où on peut choper quelque chose? Alors là. J'ai rien vu, moi. J'ai rien vu. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ah, il y a des objets là-bas. Il y a un cube. Vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois bien. Hein. J'y crois peu, mais on va faire ça. Ouais, si, si, il y a un cube, allez hop. Ah ouais, et puis il y a la caméra qui se rapproche. Non, c'est ça, c'est bon. Voilà, c'est ça, tout au fond, il y a des trucs. On va attendre que Monsieur Hernandez... Fernandez ou Hernandez, ça dépend des pays. J'aime bien Fernandez. On va attendre là. Oh, allez, 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 je suis un peu gourmand. Vous avez vu, Billy me suppule, hein. Et il me dit, fais à ton idée. Moi, je regarde. On va attendre un cycle encore. Voilà. On attend juste un petit cycle. En attendant, on met la mouche. Toujours plaisir. Normalement, vous entendez mieux quand elle arrive. J'ai mis le son un petit peu plus fort. C'est avec des petits détails comme ça qu'on va y arriver. C'est avec des petits détails comme ça. Allez, je prends le cube. C'est de pas être trop con. Ah, ça y est, Billy, il vient. Mais c'est trop tard, Billy. Là, j'ai le cube.
Il est gentil, mais il est un petit peu en retard comme enfant, hein. À l'école, ça devait pas être ça, hein. Non mais non! Oh non, mais voilà. Ça, c'est moi. J'essaye d'aller trop vite. J'en suis désolé, là. J'ai été greedy, comme disaient les anglo-saxons. J'ai été gourmand. C'est le piège. C'est le piège du jeu, en général. C'est qu'on essaye d'aller trop vite. Là, par exemple, il peut me voir. Mais quoi? On m'a vu, là? Oh mon dieu, mais comment il a pu me voir? Ce n'est que mystère. Salut Nictaras, Nictaras qui est complètement en retard, il a 41 minutes de retard. Je vous prierai de pas lui dire bonsoir. On fait comme si on l'avait pas vu. On fait comme si on l'avait pas vu. Tu l'as vu, toi? Ah oui, t'as vu, lui. On va attendre qu'il se barre. Voilà, c'est quand on est dans l'ombre. Enfin, dans l'ombre. Que ça se passe mieux. Donc là, pour te dire, Nictaras, on doit récupérer un petit cube. On va essayer de pas d'être gourmand au niveau déplacement. Voilà, là il est affairé, là. Il est affairé, monsieur Hernandez. On y va. Mais pourquoi je vois pas mon petit personnage? Voilà, c'est bon. Là, je reste un petit peu. Qui ça? Là, j'étais greedy. Bon, je vais attendre un tout petit peu ici. Yo, alors, petit résumé de l'histoire. Ben, on progresse. Tout simplement, on progresse. On a réussi à récupérer tous les plugs. Et là, on ouvre. Et là, on court. Et j'aurais dû me cacher sous le lit, peut-être. Oh, mon dieu, Hernandez. Monsieur Hernandez, c'est pas vraiment moi, c'est Billy. C'est Billy, nous on voulait pas s'échapper, on voulait rester avec vous. Vous êtes tellement fort sympathique. C'est Billy qui m'a poussé à faire ça, c'est Billy. Il faut se cacher sous le lit. Il faut se cacher sous le lit. Oui, c'est Monsieur Hernandez, c'est le nouveau croque-mitaine. C'est ce que je disais avant que t'arrives, parce que t'es en retard évidemment. On a eu René, hein? On a eu René, on a eu la maîtresse, et puis maintenant on a Monsieur Hernandez, mais qui vient de partir d'ailleurs. Alors il travaille ici, je sais pas trop en quoi consiste son travail, mais ça sent quand même un peu le cotorep. Mais en tout cas, il s'active à la tâche, hein. Il prend ça très au sérieux. Il prend sa tâche très au sérieux. C'est déjà un point positif. Si moi j'étais son employeur, bon, j'aurais pas à me plaindre de Monsieur Hernandez, voilà, déjà. Non, faut être juste. Faut, comme je vous dis toujours, faut dire les choses. Faut être juste. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Hernandez? Ah, oula, 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 oula. On va activer un petit peu le pas, Billy, hein. Parce que j'ai l'impression que Monsieur Hernandez, il nous attendait pas. Mais en même temps, nous n'étions pas vraiment attendus. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on presse le pas. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que là, c'est une salle où on meurt en boucle. On va voir. On peut un petit peu faire comme ça? Oui, on peut un petit peu. Il y a une clé, là. Il va falloir une clé, ici. C'est pas lui qui lèche les orteils des enfants pendant leur sommeil? Je crois que très probablement, c'est lui. Mais je vais pas creuser la question, hein. Je veux pas te faire de fake news, hein. Je veux pas qu'on me signale encore sur Twitch. Non, il met des paraboles sur la tête des jeunes. Oui, voilà. Tout à l'heure, on a vu ça, nous, hein. Quand t'étais en retard. Et que t'étais pas là. Et que t'arrivais 40 minutes en retard. On a vu ça, qu'il mettait des paraboles. Là, il y a du sang. Moi, j'enquête. Billy, aide-moi à ouvrir cette porte, s'il te plaît. Billy, rentre et dis-moi ce que tu vois à l'intérieur, s'il te plaît. C'est un très très mauvais apprenti, Billy, hein.
Par contre, vous avez vu ça? Ça nous permet de voir. Là, c'est vraiment la morgue. Hein. Désolé, j'étais en retard. Ah bah oui, on a vu. 40 minutes. J'étais avec mes vrais amis. Mais tes vrais amis, c'est nous. C'est nous. C'est moi. C'est moi et. C'est moi le chien. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux me faire croire? Allez, pousse, Billy. Il nous fait perdre du temps avec ses bêtises. Il essaye d'être malveillant avec nous. Il essaye de nous faire de la peine, voilà. Ah, vous avez vu, Billy m'a pas suivi. Ça veut dire que c'est ici que je vais trouver la clé seule. Moi, j'essaye de comprendre le jeu. Hein. Vous regardez là comme ça, là, c'est facile. Moi, je joue. Hein. Il faut que ça travaille là-haut. Donc, moi, j'ai vu que Billy était resté en arrière, ce qui veut dire qu'a priori, la clé se trouve ici et il va falloir qu'on la trouve tout seul. Ma femme vient de me dire que je n'avais pas de vrais amis autres que virtuels. Bah voilà. Tu vois? Bah ta femme, elle ferait mieux de se connecter. Déjà avant de juger son mari qui fait tout pour elle. Tu vois, je te défends. Comme ça, peut-être qu'un jour, j'aurai ma moyenne de 3 viewers. Et peut-être un jour, on sera affilié et on pourra proposer du 480p. Pour les plus démunis. Non, bien sûr, tu embrasses ta femme. Je plaisante. Bon, bah si elle pouvait se connecter vi vite fait, ça serait bien aussi quand même. Ah, je suis de bonne humeur, je raconte beaucoup de bêtises. C'est quand on fait une pause, vous voyez, on est un peu plus taquin. Bon, tout ça pourquoi? J'aimerais bien le savoir. Ok, on est arrivé ici, mais quoi? Mais pourquoi? On a de la petite bouteille. Fort bien. Alors, si mes amis ne sont que virtuels, qu'est-ce que ma femme? Et voilà. Bah ta femme. C'est tout l'intérêt du procédé et du concept. C'est que la femme n'est ni une amie, ni une ennemie. Quoique. Parfois on se demande. Une question qui sera débattue dès demain, oui. Bon, là, vous avez vu, je suis monté jusqu'ici, mais tout, mais pourquoi? Bon, je vais essayer d'ouvrir cette petite porte. Je pense bien que je l'ai déjà fait. Ça n'a servi strictement à rien. Ah, mais voilà, salut Eve. C'est bien plus sympathique. Comme ça, même si t'es une femme, t'as le droit de parler. Tu vois, là t'es sur ton compte. Moi, ça me donne ma moyenne de 3 viewers. Tout le monde est content, voilà. Tu peux t'exprimer, t'as le droit tu peux écrire tes phrases, tes petites idées quand t'en as. Même si t'en as pas, tu peux te dire des choses. Tu peux poster un petit smiley de temps en temps. Tu chattes, quoi, tu chattes. Tu chattes. C'est pas réservé qu'aux hommes, tu chattes. Tu nous donnes ta petite opinion. Bon, et qu'est-ce que vous me proposez là? On va prendre le plateau? Qu'est-ce qui se passe? On va manger les restes dans le. Qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir faire ici? Il y a une horloge. Un soir, Léa viendra et on se fera une soirée Twitch de ouf, chacun sur notre terminal informatique, en LAN. Oh. Dis donc, vous avez de grandes ambitions là, hein? Attention. Vous pensez que. Parce que là, je suis monté ici. Bon, ok, très bien, très très bien. Pourquoi pas? Admettons. Mais ça te sert à quoi? Ça sert à rien. J'essaie de comprendre. Le saut là, quoi. Vous pensez que la clé pourrait être dans les petits boyaux? J'aurais omis de regarder ça. C'est possible que moi j'omette des choses, ça arrive ça des fois. Je vous ai pas habitué à ça, hein. Non? Bon, Billy. Eh, Billy vient nous aider là. Tu vois bien qu'on est dans la mouise. Ah, grave, on se fera ça. Bon, très bien. Il y aura ta tronche en grand sur notre rétroprojecteur. Ah, vous avez un rétroprojecteur, mon Dieu. Romain Martin sur le mur du voisin. Romain R. Martin, s'il te plaît. Je tiens à ma particule. Longue histoire, cette particule. Un jour, je vous la conterai.
Mais elle est véridique. Hein. C'est mon véritable nom. Hein. Romain R. Martin. J'y tiens, évidemment, j'y tiens. Comme ça, je m'appelle comme George R. Martin de Game of Thrones. Qui n'aurait pas envie d'avoir le même nom que George R. Martin? Voilà. Alors, autant en profiter. Hein. Bon, là, je digresse, je raconte des bêtises, mais on n'avance pas. Qu'est-ce qu'on pourrait bien pouvoir faire? Là, je vois vraiment pas, là. Autant, j'avais quelques idées. Attendez, on va aller voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe pas. Mais la clé est là! Vous me dites rien. Si vous me dites rien, on va pas y arriver, on va pas être copains. Et vous pourriez dire bonjour à ma femme, hein, aussi, hein. Elle est là, hein. Dis donc. Quelque part, vous êtes un peu aussi ses invités, hein. Alors. Bon, j'essaye d'ouvrir cette porte. Ça ne veut rien faire. En plus, ce soir, elle est sous sa véritable identité. Elle n'est pas sous pseudo Samus Aran. C'est son vrai nom, Vénus. Tout est vrai ici, hein. Regarde au-dessus de l'armoire, il y a une clé. Oui, merci. Il y a un petit décalage. Bonsoir Samus, toujours pas le guitariste d'Empereur? Ah. It's a little joke, my love, because Samus looks like Samos, and Samos, it's the Emperor's guitarist, black metal of the black metal band. Make a little joke. Je sais pas si on dit mec, il fait une petite blague. Moi, je traduis complètement littéralement, mais ça doit pas être ça. Ah merde, alors ma vanne tombe à plat. Bah oui, c'est pas son vrai nom. Ah oui, et puis c'est pas le vrai nom, de toute façon. Bon, la clé est là. Attendez, on réfléchit. La clé est ici, il faut pouvoir y accéder, donc il faut pouvoir monter sur quelque chose. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Absolument pas. Qu'est-ce qui pourrait... Bah le chariot! Oh, non, c'est même pas un chariot, ça, c'est... Ah là, ça commence à devenir intéressant, les énigmes. Parce que vous regardez plus. Je sais bien, vous êtes là que pour moi. J'ai bien compris, hein. J'ai bien compris que qu'importe le jeu, je pourrais jouer à Tetris, vous seriez là. Hein. Ah, regardez. Ça s'est refermé quand je suis monté dedans. Et ça revient quand je... Qu'est-ce que ça peut bien pouvoir vouloir dire? Tout à l'heure, en parlant du groupe, ça meute avec un pote, et je lui ai demandé si ce n'était pas le guitariste d'Emperor. Je crois que je tiens un thème. Ah, ça meute, oui. Ah, t'as un thème. T'as un thème de blague. Prends un macabée et saute dessus. Je ne peux pas les prendre, malheureusement. Je vais essayer. Mais ça ne veut point l'effectuer. Ça ne veut point l'effectuer. Quand c'est comme ça, la mouche. La mouche nous apporte toujours de bonne énergie, de bonnes ondes. Le truc, c'est que je stream. Donc, quand je n'ai dans le guidon, je ne réfléchis pas vraiment. J'imagine que ça va sauter. Ça peut sauter aux yeux des gens, la solution, mais là, pour moi, là, pour le moment, non. Hein. Je comprends qu'il faut que je monte. Pour ceci, il faudrait que ce tiroir-là soit ouvert. Hein? C'est pas déconnant. Reste dedans. Ah, il y a un gros décalage avec. Avec notre ami Aurel, hein. Quand tu écris quelque chose, il se passe au moins 20 secondes. Tu voulais dire reste dedans dans le casier, oui. Bah, je veux bien. Je veux bien essayer, hein. Mais je suis pas sûr que ça serve à grand chose, Aurel, hein. Je le fais parce que c'est toi. Peut-être que t'as raison. Bah, non, mais ça, c'est quand je vais vouloir revenir avec la clé. Tu as raison, mais c'est que c'est notre retour. Merci, Billy nous a aidé pour te montrer que c'était pas la bonne solution. Mais en tout cas, pour le retour, oui, ça va être ça. Hein. Non, mais regardez, on n'est pas débile. Évidemment, ce truc-là, attendez, j'essaie quand même cette porte-là. Non, celle-ci, il veut pas. Évidemment qu'on monte ici. Hein, c'est quand même le principe, c'est le B.A.B.A. du jeu de plateforme. Hein. J'ai rien inventé là.
Une fois qu'on est ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sauter sur... Ça sert à rien. En plus, de moi-même, je peux y aller là. Là, je pourrais en me mettant bien au bord, attraper le... Eh oui, qu'est-ce que je suis con! Ok, je l'ai. Non, non, non. Attends, est-ce que tu peux pousser le cercueil lorsque tu es à côté de Billy? Oui, non, mais on a trouvé. On a trouvé, regarde. Il y a une petite rampe de lancement. Voilà. Oh là là. Il s'est rattrapé vraiment in extremis. Non, c'est moi qui suis pas attentif. C'est ma faute là. Hein. Il va falloir être un peu plus. Allez, c'est bon. Ok. Autant pour moi. Hein. On a perdu un petit peu de temps là. Je m'en veux. Bon, par contre, Aurel. Grâce à Aurel. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. On repart comme ceci. Ok. Bon, on se dirige directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le trou de serrure. Moi, tout me dit que nous allons encore avoir affaire à Monsieur Hernandez dans peu de temps. Vous savez, à chaque fois qu'on sort d'un immeuble, d'un niveau, il y a une sorte de course en avant, de fuite en avant, enfin pas vraiment une fuite en avant, d'escape, hein, on s'échappe quoi. Et avec Monsieur Hernandez, à mon avis, ça va être le même topo, hein. Je le vois gros comme une maison. Tu veux pas ouvrir la porte en plus de la clé que tu as trouvée? Quelle porte? On a ouvert celle-ci? Tu parles de quelle porte? Il y a qu'une porte avec une clé. C'est ça que tu m'as marqué, hein. Tu pouvais pas ouvrir la porte en plus de la clé que tu as trouvée? Je sais pas, je suis reparti. Il y avait une autre porte? D'ailleurs, il n'y a pas. Attends. Est-ce que. D'ailleurs, il n'y a pas de narration dans ce jeu? Non, la narration est seulement visuelle. Et ça, j'apprécie beaucoup. Hein. C'est comme Dark Souls. Enfin, c'est pas Dark Souls, mais vous avez compris. C'est-à-dire qu'il faut observer les choses. Faut. Non, là, je fais n'importe quoi. Faut observer les choses. C'est à nous d'imaginer, en fait. Ça fait appel à notre imagination, c'est très bien. Allez, pousse-toi. Billy, il est gentil, mais ça fait longtemps qu'il nous a. Qu'il est. C'est plus un petit peu un petit boulet là. Regardez, il va falloir encore qu'on l'aide. Ah non, c'est bon. Ça change d'Amnesia, qui était peut-être trop narratif à ton goût. Tu lâchais les notes au fur et à mesure du jeu. Oui, mais si j'avais été seul, j'aurais tout lu. Mais on va y retourner sur Amnesia, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de vues. Alors c'est complètement l'inverse de Light and Nightmare, si on va parler un petit peu statistique. Il y a beaucoup plus de gens qui regardent en live quand je stream Little Nightmares. Par contre, ça n'intéresse pas les gens de regarder les replays. Par contre, Amnesia, il y a beaucoup plus de vues après une fois le live fait. C'est rigolo. Ça m'apprend sur un peu sur le. Voilà. Je vous parlais de Monsieur Hernandez. Il est ici. Easier. Donc on retournera, tout ça pour dire qu'on retournera sur Amnesia. Non pas parce qu'il y a beaucoup de vues après, mais parce que moi déjà j'ai envie de le finir. Puis en plus, bon, si ça plaît à d'autres personnes, je vais pas me priver. Hein. Non, 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 c'est pas nous, Monsieur Hernandez. Oula, Monsieur Hernandez, c'est Billy. C'est lui qui m'a poussé dans cette histoire. Moi, je voulais rester avec vous. Comment on peut passer là, Billy? Non, monsieur. Oh la vache. J'ai essayé de le distraire en disant des mensonges. Mais ça n'a pas effectué. On recommence. Hey, vous avez vu là-bas? Il y a un plug. Ah bah non! Non, 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 non. Ah bah non! Ouais, c'est mort. Ok, bon, Hernandez, enfin, en fait, les croque-mitaines ont une meilleure vue à chaque fois qu'on rencontre un nouveau croque-mitaine, il a une meilleure vue. Hein. Donc il faut pas qu'on déconne avec Hernandez. Il a pas besoin de lunettes, lui, hein. Regardez-moi ça. Là, on peut y aller. Ah, il y a un plug là-bas. Hein. Bon, pendant qu'il bouille, on y va.
Oh, c'était Just. Oh, c'était Just. Elle est bien jolie et bien visible, la petite bouteille rouge dans le premier tableau. Oui. On dirait qu'elle pourrait servir d'appât. C'est possible qu'on peut peut-être le berner. Alors, déjà... Il y en a une là-haut aussi, hein. Regardez. Oh, il m'a fait la courte avec la bouteille. Ok, bon, c'était juste ça. Bon, très bien. Par contre, le plug, on est d'accord qu'il y a... Qu'est-ce que c'est que ça? Mec, il est sous le respirateur artificiel. Mais on va le faire clamser, là. Hein. Bon, allez, on se casse. Roswell. Pradel, ouais. Là, j'ai la référence, par exemple. Non, mais vous avez vu que tout à l'heure, près de Monsieur Hernandez, il y avait un plug. Hein. Ok. Mais merde, je suis... Mais... N'importe quoi, j'ai... Moi, je voulais juste tomber tout doucement. Évidemment. D'ailleurs, ça me manque, hein, moi, ce genre de type d'émission de la haute culture. Hein? La nuit des héros, Mystère. J'étais très fan de Mystère quand j'étais enfant. Les plus jeunes connaissent pas, mais... Qu'est-ce qui va se passer, là, du coup? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah bon, on a tué sa grand-mère. Pas sûr que ça lui plaise. Allez, on y va. On y va tout doux, hein. Moi, je suis bien avis d'aller plus vite maintenant pour aller chercher le plug. Allez, fais-moi la courte. Ah, ok, ok. Il reste des épisodes sur YouTube. Faudra que j'aille regarder ça. C'est bon, on a le plug. Mais alors, où on doit mettre le plug, vous le savez? Si vous pouvez me répondre rapidement, ça serait fantastique. J'ai pas souvenance, moi, qu'il y avait plug, hein. Je me souviens déjà plus, hein. Je vous ai dit, hein. Je suis pas bon, hein, pour me souvenir des choses. Voilà, c'est là. Il reste des épisodes sur YouTube avec les pommes qui volent notamment. Il faut que je regarde ça. Il faut que... Oula, allez, 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 voilà, voilà. Là, c'est le moment dont je vous parlais tout à l'heure. Allez, c'est la fuite. Là, c'est la fuite. Il va falloir jouer bien, là. On va essayer de le faire en first try. On peut y arriver. Si on stresse pas. Si on retient bien tout ce qu'on a appris. Non, c'est par là. Ah, voilà. Et bon, il y a un petit côté que Diane retry, évidemment. Il y a un petit côté Diane retry, hein, n'est-ce pas? Allez, il faudra qu'on descende. Allez, c'est parti. C'est bon, là j'ai pris un peu d'avance. Putain, j'ai pris un peu d'avance, oui. Je me suis pris le truc sur la tronche, oui, surtout. J'avais pas pris du tout d'avance. Aucunement. Allez, allez. Bon, Billy, tu me gênes pas, hein. Billy me gêne dans ma course. C'est bon. Allez, 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 allez. Ça, c'est Just à chaque fois. Hein. Non, mais putain, allez, c'est... Je vous assure que là, je cours comme un dératé. Comment je peux aller plus vite? C'est dès le départ qu'il faut bien être en face de la porte, je pense. Voilà. Voilà, là, je fais bien mon slide. Là, c'est bon. Ah là 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 là. J'ai le casque à fond, je vous manque pas que ça me fait un peu stresser. On va y arriver. Mais Monsieur Hernandez, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous travez.
Que quoi? Oh là là, oh là là, oh là là là. Tu viens. Bon ça va, ils sont pas trop sales au niveau du checkpoint. Non, il va falloir qu'on crame. On va faire le tour. Je vois comme ça là. Il va falloir qu'on l'enferme. Ah c'est un jeu qui est un petit peu cruel hein. Allez, oh bah s'il veut pas le faire non plus, ça va pas le faire. Pardon, ça me... C'était une phrase qui voulait rien dire. Allez, Hernandez là. Faut que je pousse, faut que je tire. Allez, oh bah Billy, il a pris les choses en main, vite, ici. Allez, oh bah désolé monsieur Hernandez. Oui, oui, je sais. Ça nous fait plus mal qu'à vous. Ah ouais, ouais, effectivement. Effectivement, ça réchauffe un peu, là. C'est pas ce quoi, oui, voilà. Bon, je reste un petit peu accroché, c'est pour être sûr. Et Billy qui... Eh ben, Billy... Il se réchauffe. Très pragmatique, Billy, hein. Très, très, très pragmatique. Très, très pragmatique. Il me plaît, ce Billy. Bon bah c'est fini pour Hernandez. Alors bon Billy ça suffit maintenant hein. On a compris que t'étais un psychopathe. Moi personnellement ça ne me dérange pas. Mais tout de même. Qu'est-ce qu'il y a? On peut prendre le petit... Non il va me faire la courte. Des fois il me fait la courte échelle, des fois il me la fait pas. On sait pas trop Billy hein. C'est au petit bonheur la chance hein. Ça dépend du vent hein. On peut peut-être monter là-dessus. Oui, voilà. Voilà. Ah non. C'est toujours la perspective qui me... Ah, il voulait bien me faire la courte, là. Ah oui, voilà. Ah, c'est moi. Autant pour moi. Allez, hop. Ça va appeler l'ascenseur. Autant pour moi, oh là là. En plus j'avais fait énormément de bonnes blagues. En fait c'est depuis que j'ai fumé ma cigarette. J'ai oublié de le remettre. Je disais que Billy s'il y avait procès c'est nous qui avons tué monsieur Hernandez. C'est ça que je disais pendant que le micro était coupé. Et que malheureusement s'il y avait procès je serais obligé de dire que c'est Billy. Mais pour le protéger, pour le protéger de lui-même. Excusez-moi. Je suis tête en l'air. Je suis un garçon tête en l'air. Tête en l'air. Comme ça. Je peux pas être parfait tout le temps. Il y aura des erreurs dans ce stream. Il y aura des actes manqués.
Qu'est-ce qui tombe là? Il pleut quoi? Il pleut des godasses? Il pleut des cadavres? Il pleut quoi? Des gens? C'est des gens qui se suicident? J'ai la tête dans le sac, voilà. Très bon. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Oui, il pleut des gens. Les gens se suicident. Vous êtes au courant? Les gens ici se suicident. Vous vous plaignez qu'il n'y a pas de son alors qu'il y a, quand même bien plus grave. Il y a des gens qui se suicident. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le son. Ah, bravo. On voit tout de suite les priorités. Hein. Bien, Billy. On a trouvé une nouvelle petite maison. Ça m'a l'air bon. C'est pas si bien agencé que l'école. Mais ça a l'air bien moins hostile. Oui, mais tout le monde... Enfin, c'est un mouroir, là, cette ville. Oula, 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 oula. Lui, il a pas de face. On se croirait chez Léa. Alors, je ne peux... Je me moque, mais je ne peux rien dire. Je ne suis jamais allé. Je ne sais pas. Ah, il a foncé la tête la première dans la télévision. Pourquoi pas? Là, c'est pour bien voir Monsieur Hanouna. À mon avis, ça devait être le départ de son émission culturelle. Et là, il a pas voulu en louper une miette. On va le laisser regarder son programme. Et Billy et moi, on va plutôt aller faire autre chose. Je m'en veux, là, pour cette histoire de micro. Vous pouvez pas savoir. Là, l'échelle va descendre toute seule, regardez. Ah non. Parce qu'il pleut tout le temps chez Wam. Ah. Moi, je suis de Normandie, hein. Alors, je connais, hein. Gros coup de boule sur Gildas, voilà. J'ai la référence aussi. Tu vois, là, ce soir, on est synchrone. On est en phase. Des fois, on l'est pas. On peut pas tout... Mais là, ce soir, c'est bon, je l'ai aussi, la référence. Avec Antoine Decaune, hein. C'est bien ça. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Il me fait peur, lui, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut regarder Hanouna chez les autres? Il a pas de télé? Ces gens n'ont pas de télé. Alors là, il y a une télévision commune. Mais il y a que elle qui la regarde. Il suffit de faire... Alors... Il suffit de faire des références de vieux, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Non, puis en fait, il faut que je les lise au même moment que... Parce que, en fait, tu interagis à ce que je dis... Et si je le lis pas au même moment, bon là c'est mort. Là il y a un petit câble. Alors si on leur coupe la télévision, je suis pas certain qu'ils vont être d'accord. Hein. Bah viens m'aider Billy. Là je suis en train de tirer sur le plug, là, enfin sur la prise. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Bon, on inspecte un peu, hein. Là, et regardez, là il y a un câble. Oui, bah excuse-moi. Ah, il veut que il me fait la courte. Très bien. Ah, j'ai pas vu. Les poignées rondes, évidemment, on ne peut pas les tourner tout seul. Les clenches. Hein? Les clenches. Les clenches. Bien sûr, Billy peut nous faire la courte. Alors lui, carrément, il a trouvé une astuce pour être encore plus à l'aise. C'est-à-dire qu'il a mis carrément directement la télévision dans ses toilettes. Bon, on va le laisser profiter de sa soirée. Billy? Ah oui, j'ai eu peur, j'ai cru que Billy n'était plus avec nous. J'ai cru qu'il avait fait dissidence. J'ai cru qu'il avait fait sécession avec le jeu et qu'il voulait plus être avec nous. Tiens Billy, attrape-moi cette canette Billy, s'il te plaît. J'ai envie de l'emmener avec nous. Ah bah si tu ne rattrapes rien, on va pas y arriver. Oh putain Billy! Et merde. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la mouche et le chien. Oh là là, et voilà, là, ça mixe. Vous avez vu ça? Alors, la clanche, Aurel, sais-tu? Alors, je sais pas si Aurel connaît la clanche. Il est peut-être normand aussi, Aurel, on sait pas. Ouh là là, c'était juste, hein, le saut, hein. C'était millimétré, hein. C'est du pixel perfect là. Ah, ok, c'est parti. C'est bon. C'est une affaire qui roule. Ah, vous avez vu là? Peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Ah ben oui, il va falloir même. Il nous faut une clé, hein.
Ah, on peut... Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Il faut qu'on se dépêche, faut qu'on lâche le truc. C'est parti. Voilà. Et bah Billy, par contre... Bon. Ah bah Billy... Ah, vous avez vu Billy? Il est tombé et puis bon, il est revenu. Hein. C'est un petit peu comme mon chien, quoi. Oh, moi, je connais pas mes départements. Hein. Et je m'en suis fait une fierté. Hein. Je connais absolument pas mes départements. Hein. Hors de question que je connaisse ce genre de choses. Hop. Ah, pardon, Billy. J'avais pas vu que tu voulais m'aider. Non, non, je les connais pas. J'en connais que... Je connais que ceux où j'habitais. Bon, ça n'a servi à rien. C'est pour ouvrir l'ascenseur. Ça sera pour plus tard. Il nous faut la clé. Peut-être dans ce petit tiroir. Non. Non, la clé, en général, c'est plus dur. Oh, bah non. Vous voyez, je suis mauvaise langue. Là, la clé, elle était relativement facile à trouver. Maintenant, je connais pas mes départements. Oh, moi, je suis un peu autiste, hein, je m'en cache pas. Hein. Regardez, je viens de rattraper une clé, je l'utilise même pas. Alors. Si c'est pas un bon exemple. Non, non, je connais pas. Même, je vais vous dire, je ne connais pas le nom de ma rue. Mais Aurel, non, Billy, qu'est-ce que tu fais? Viens avec nous. Non, non, moi je retiens que ce qui m'est important pour ma survie. Je connais pas le nom de... Enfin, je connais le nom de ma rue, mais je connais pas le nom des deux rues qui sont adjacentes, parallèles ou... Aucune idée. Hein. De nom, oui. Ça me dit quelque chose, mais je saurais pas vous dire. Non, non, je retiens que les informations... pour ma survie. Allez, fais-moi la courte, là. C'est bien ça dont il s'agit, là, il faut faire la courte. Ah. Bon, c'est quand même ridicule, là, on est... Ah bah non, c'est par où on vient. Mais pourquoi on a fait tout ça? Attendez, il faut reprendre... Qu'est-ce que ça va faire? Qu'on ait fait ça? On va pouvoir aller plus haut? Toujours plus loin, toujours plus haut? Eh bah bonne nuit, Aurel. Ça me fait très plaisir que tu sois passé. Pour la peine, le chien va te dire bonsoir. Il est mort, Moselle, Aurel. Bon, très bien. Allez, bonne nuit, Aurel. Bon, on tente à nouveau cet ascenseur. Et voilà, maintenant il monte. Ah, mais non, il monte pas. Ah non, maintenant on a ouvert la porte, donc on va pouvoir aller. Bah non. Alors, excusez-moi, hein, comme je stream, je suis pas vraiment les choses. À quoi ça nous a servi d'ouvrir la porte? Alors on est bien d'accord, il faut qu'on continue par ici. Non? Putain, c'est vraiment l'immeuble de Delicatessen, oui. Il y a un petit côté, hein. Comme je parle en même temps, je me rends pas compte. Il faut qu'on continue par ici. Hein? Non? Allez, viens, Billy, là, qu'est-ce que tu fais? Il reste sous la pluie. C'est pas parce que t'as un kawaii que t'es obligé de t'en servir. Hein. On peut se mettre à l'abri. Billy a l'air de squatter près de l'ascenseur. Oui, bah oui, je vois ça. Et donc ça voudrait dire qu'il faut qu'on utilise ce petit levier, d'accord? Ouais, regardez, on va le refaire. Hein. Et après, qu'est-ce que tu fais, Billy, toi? Une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qu'il y a, Billy? Je comprends pas. On l'appelle? Ouais, il squatte près de l'ascenseur. Mais je sais plus par où on est arrivé en fait. On a ouvert cette cage d'escalier. Et donc maintenant on peut se servir de l'ascenseur, ok? Mais ça sert à quoi? Je comprends pas. Ça nous sert à quoi en fait? On est arrivé de là, de la gauche.
Oh putain. J'ai fait un beau... Ouais, on a fait ça, regardez. Je refais le parcours à l'envers pour me rendre compte. Il y a moyen de voir en haut, au-dessus de l'interrupteur extérieur à l'ascenseur. Je vais essayer de voir. Regardez, on a fait ça. Voilà, on est arrivé là. Et évidemment, l'ascenseur était fermé. Bon, maintenant, on a ouvert. Mais alors, oui, mais ça sert à quoi? On doit aller où? Je pose plein de questions. Y'a pas Eve là ou Léa qui a aucune petite idée? Aurel n'est plus là. Aurel était le seul en qui j'avais confiance pour, au niveau des énigmes. La porte en bas, tu peux pas y accéder? La porte en bas. Alors déjà tu m'as demandé de regarder si on pouvait voir au-dessus de la... Alors... On va voir si ça éteint... Parce que il me demande de faire... Il me demande la courte, donc... C'est pour appeler l'ascenseur, j'imagine. Donc ça, on a vu. La porte tout en bas, tu ne peux pas y accéder lorsque tu descends avec l'ascenseur. Alors je recommence, mais regardez, Billy ne me suit pas. Hein. Alors, la porte en bas, quelle porte déjà? Ah, celle-ci? Oula, oula, oula. Non, non, celle-ci nous permet... Bon, j'essaye, mais c'est bien parce que c'est toi. Hein. Je sens la mort. Ouais, voilà, voilà, bravo. Salut Bad Boy Game Orang, ça faisait un petit bout de temps pour la peine. Le chien va te dire bonsoir. Allez, dis-lui bonsoir. Voilà. Ça se passe comme ça maintenant. Bon, il a sauvegardé jusqu'où là? Bah la porte, on peut y accéder ici, hein. Tu vois? Ouais, bravo Nictor. Hein. On recommence, hein. Voilà. Donc on monte avec l'ascenseur. On a ouvert la porte de l'ascenseur. Bon. On sait comment faire. Putain, ils auraient pu nous faire un checkpoint quand même. Mais au moins ça nous permet d'être au clair. Mais merde, Billy m'a poussé. J'en suis le premier surpris, mais Billy m'a poussé. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans sa petite tête. Il a peut-être cru qu'il pouvait faire la route tout seul, mais non Billy. On pourra s'y échapper que tous les deux. Hein. Il y a eu trahison là un petit peu. Hein. Pas envie d'être médisant, mais... Il m'a poussé là, vraiment, j'ai senti la manette à vibrer. Voilà, ça c'est du bien joué. Donc Billy est en haut. Ça va nous permettre peut-être d'y voir un peu plus clair. De tout refaire. Montre-moi ton chien. Bah évidemment, je peux te remontrer mon chien. Alors, le chien, et après je te remonte la mouche. Parce que la mouche ne va pas sans le chien. Ça me fait plaisir qu'il y a des gens des connaisseurs. Et qui savent juger mes animations. Ah, voilà, la clé, pardon. Un jour, je finirai une phrase. Je vous promets. Donc là, je peux libérer Billy. On est d'accord? Voilà, en fait, c'est ça. On est là avec Billy, maintenant. Donc maintenant, ça... Regardez, il me fait la courte. Très bien. Et voilà, et quoi donc? Bon, la mouche. À chaque fois qu'on met la mouche... Il y a une forme d'aide. Une fois qu'on est là avec Billy, parce que ça c'est l'idée, c'est d'être avec Billy évidemment. Il finira ses phrases tout en même temps à la fin de sa vie. Ça va être un de ces bordels. Non, mais voilà, ça va être ça. Un jour, il va y avoir un grand déclic. Et il y aura toutes les phrases qui vont succéder. Ça va mitrailler. Lorsque tu descends l'ascenseur, il y a une petite bouteille. Oh non, bah, laisse tomber. Non, mais arrête. Avec... Non, non. Là, je t'écoute pas, là. Une petite bouteille, il y a des petites bouteilles. Oui, il y a des petites bouteilles partout. Mais... Non, il y a peut-être un truc à faire avec... Faut peut-être qu'on s'échappe ensemble, en fait, tout simplement, par ici. La clé ne me servait qu'en tant que...
qu'en tant que libère, c'était un élément libérateur. Voilà, Billy est avec nous maintenant. Mais par où on doit aller maintenant, hein? C'est ça le. Là, je vois pas. On s'en fout de la bouteille, c'est la plateforme qui est intéressante. Il y a une ouverture à gauche. Il y a une ouverture à gauche? Non, il n'y a pas d'ouverture. Il y a un radiateur. On peut pas monter, non. Ah mais oui, ils avaient raison, Eve et Nicta. Lorsque tu descends avec l'ascenseur, quoi. Mais c'est d'où on vient. Alors je sais que je suis en train de dire de la merde, parce qu'à chaque fois que je regarde la VOD, quand je m'agace comme ça, c'est vous qui avez raison. Alors je veux bien. Et quoi? Où à gauche? Ah oui, là! Alors vous aurez. Eh, moi je l'avais vu, j'attendais que vous me le disiez. Et on peut pas! Attendez, il faut synchroniser. L'ascenseur va s'arrêter et on va sauter sur l'ascenseur, c'est ça? Bah viens m'aider là, Billy. Attendez, je vous lis. Lorsque tu descends sur l'ascenseur, gauche, bouteille. Bon, ça c'est bon, je l'ai. Quand tu es dans l'ascenseur, au lieu de prendre la plateforme à droite, prends celle de gauche qui est plus proche. Oui, mais je peux pas. L'ascenseur, il y a un mur. Alors faudrait monter sur le toit de l'ascenseur. Voilà, en fait, on est tous d'accord. Seulement, quand je suis là maintenant, Billy ne veut rien savoir. Il veut pas m'aider à monter ici. Je peux pas retourner en bas. Ou alors il faudrait. Le nom de ce jeu. Voilà, comme ceci. C'est Little Nightmare 2. Nightmares, pardon. Un excellent jeu d'énigmes. On va rappeler l'ascenseur. Il faut peut-être monter sur le toit de l'ascenseur, hein. Et voilà, c'est moi. Il faut que je fasse tout le temps le boulot. Vous me dites d'aller à gauche, n'importe quoi, n'importe quoi. Heureusement, heureusement que je vous écoute pas. Heureusement que je vous écoute pas du tout. Heureusement que j'ai pas essayé de faire ce que vous m'avez dit. Oh, que Dieu m'en garde, que Dieu m'en préserve le jour où j'écouterai le chat. Que Dieu m'en préserve. Eh ben alors on s'en va. Bon là, ça m'a pas l'air trop complexe. Eh oui, on s'en va sous la pluie. C'est joli là, hein. Moi j'aime bien envie que ça soit la vignette de la VOD, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aimerais bien. Là, on est à combien là? On est à 1h28. Allez, à 1h28, ça sera la vignette, ça, hein. C'est joli, hein. Alors, là on a du petit. On va emmener Billy de l'autre côté. Non, non, là, si je cours, j'attrape pas l'autre côté. Allez, Billy, fais-moi la courte. Là, j'avais des idées un peu suicidaires. Allez, attends. Viens. Allez, Billy. Allez, mec. Ah, t'es lourd! Ah, t'es lourd, mon bâtard! Ah, t'es lourd, mon coco! Allez, maintenant. Voilà, tu vas me. Tends bien ta mimine. T'es sûr de toi, Billy, hein? T'as pas envie de mourir. Allez, la Billy! Oh, voilà. C'est un légionnaire. La droite. Alors, Julie, on te l'a pourtant souvent conseillé d'aller à gauche, mais t'as toujours su garder ton cap. Eh oui, c'est ça. Et puis après, vous vous saluez. Ça me fait toujours plaisir quand vous vous saluez. La politesse. Politesse française, madame. Bon, Billy, là. On sait déjà quoi faire, hein. On fait la courte là. Tu me fais la courte. Allez. Et voilà. Allez, hop. Non, non, c'est Backbob Gamerang pour te répondre. C'est un jeu qui prend comme référence Limbo, on va dire. Ça part sur une base à la Limbo, hein. Et le monde un peu de Tim Burton. Nictaras aussi a trouvé Delicatessen. C'est l'hostilité, c'est le prisme
des adultes vus par les enfants, donc c'est un monde hostile, mais en même temps les enfants aussi sont hostiles aussi dans ce jeu, donc moi de ce que j'en ai compris, c'est l'absurdité. C'est une comment pourrais-je dire cela? C'est une loupe grossissante sur l'absurdité du monde et sur ses vices, sur nos vies, sur oui, l'absurdité des choses. La cruauté aussi, c'est un jeu très cruel. Little Nightmares. Voilà, il y a un effet grossissant. Oh putain, attention, là non, je veux pas mourir. Non, c'est bon. J'aurais voulu mieux. Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi là. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'aurais préféré le. Enfin, j'aurais voulu mieux décrire le jeu, mais en jouant là, je n'y arrive point. Là, j'ai fait n'importe quoi. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Ils écoutent pas ces chacals. Ça s'appelle Little Nightmares. Bah, Billy! Billy! He's dead. Oh bah merde. Billy, non. Ça sert à rien. Ah si! Le petit Jésus. Merci, merci petit Jésus. Alors, par contre, on a pété notre loupiote. On a plus de lampe torche. Ah merde! Si on n'avait pas aidé sauver Billy, on aura encore la lampe torche. Bon bah bravo Billy. Allez viens. On s'en va. T'as vu? J'ai sacrifié la lampe torche pour toi mon petit Billy. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, tu veux me faire la courte? Parce qu'il y a une clanche. C'est vrai qu'il a un petit côté Kenny, ouais. Mais c'était quand même un peu triste. Là, je plaisante, là, je déconne. Mais quand il était sous le truc, j'emmenais pas large, hein, parce qu'on a quand même une grande aventure, Billy et moi. Et je veux pas le perdre. Je veux pas le perdre, Billy. Ne pas le perdre, ne pas le perdre, voilà. Vous voyez? Vous me forcez à dire des choses. Je suis obligé de un petit peu d'être dans le pathos. Pas envie de perdre Billy, non. J'ai plus envie de perdre Billy. Au début, je vous mens pas, c'est vrai que je m'en servais un petit peu. Mais maintenant, je veux plus le perdre. Billy et moi, c'est à la vie et à la mort. C'est comme ça maintenant. Et la musique est belle, oui. Oui, voilà, Billy aussi, ma tendrie. Évidemment. Ben oui, mais on s'en fiche, c'est Billy. Pour nous, c'est Billy. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de sexe, vous êtes au courant. Ça ne sert plus à rien, toutes ces choses. Ça ne sert à rien. Enlevez vos slibards, baladez-vous à poil. Il n'y a plus de sexe, c'est fini. C'est fini, on vous dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut monter sur le lit, là? Allez, viens, Billy, on va coucher ensemble. Allez, Billy, on se connaissait maintenant. Hein. Ben, je sais bien, pas le premier soir. Mais là, c'est... L'aventure est longue et on n'est pas sûr d'en survivre. Il faut bien relancer la race humaine. Je sais pas quoi faire. Il y a un petit cube, peut-être qu'il faut le prendre. Allez hop, on prend le petit cube. Allez viens Billy, on se casse avec le petit cube. Faut peut-être aller par là, voilà. On couchera ensemble plus tard. Je te promets. Ah bah non, il n'y a pas du tout besoin du petit cube. C'est possible que Billy n'existe que dans ma tête, oui. Exactement, le genre c'est très surestimé. De toute façon, ça n'existe plus. Vous avez pas regardé la télé? Faut regarder la télé, hein. Si vous regardez pas la télé, comment vous voulez être au courant de vos vies? Hein? Si vous regardez pas la télé, comment vous voulez être au courant de vos vies? Moi j'ai regardé la télé, maintenant je suis au courant. Allez, faut le faire trois fois ça, hein. On se souvient, hein. Allez. Il veut pas, hein. Je vous assure que j'essaye de faire au mieux. Voilà. Et une troisième fois. Alors évidemment, ça va être complètement à l'opposé avec mon joystick. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Il me fait rire. Nique ta race. Ah, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, l'œil sur la porte, je vous l'ai déjà dit dans la première partie, mais on le retrouve dans le premier opus. Hein. Alors je ne sais pas, et ma femme n'a toujours pas fini, je ne sais pas ce que ça représente. Je serais bien gêné de vous dire. Dis donc, on serait pas en train de terminer le jeu là. C'est pas moi, c'est Billy. Ah. Non, non, ça va, c'était juste le programme. Bah oui, t'as raison, Billy, éloigne-toi de cette diablerie. C'est la télé. Qu'est-ce donc? Attendez, je vais vous lire, mais... Oula, 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 c'est le nouveau, c'est qui? C'est Alphonse. Oula, bah alors Alphonse, allez, on se casse. Allez, on perd pas de temps, on cherche pas à savoir. Billy, s'il te plaît, n'essaye pas de dire bonjour monsieur, j'ai l'impression qu'il ne nous veut que de la malveillance. Il n'est que malveillance. Allez, on se cache sous le lit. On peut pas. On a été attrapé, c'est pas ça qu'il faut faire. Je vous lis. Bonne nuit, madame. Allez, bonne nuit, Vénus. Bah, elle va se coucher, ma femme. Ah bah, elle est en train de faire sa valise, là, je la vois, elle part. Ah bah, bravo, elle me quitte. Bah, attends, j'ai bientôt fini. Je me serais quitté en... Qu'est-ce qu'on peut faire, là? Oh, non, mais là, je sais pas. En plus, je raconte des bêtises en même temps, là, c'est tendu. Ah, elle vous embrasse, si c'est pas mignon. Mais oui, Alphonse. Toi, tu l'appelles Albert. Il a peut-être... Il se présente peut-être souvent sous plusieurs identités. C'est le diable. Non, attendez. Il faut qu'on fasse quelque chose. J'arrête de dire des bêtises. Il faut qu'on le feinte, évidemment. Alors, n'essayez pas de régler votre téléviseur. C'est normal si... Ah, faut peut-être qu'on se cache ici. Vu que Billy s'est mis là. Il y a un dessin de lui dans la chambre, oui, très juste. Très très juste. Bon. Alors, est-ce qu'il faut se cacher sous le lit? Ben, j'ai essayé. Je vais essayer de tracer un tout petit peu plus rapidement. Je vais essayer de faire cette... Je vais essayer de faire de mon mieux, voilà. Hein, je vous cache pas, je vais essayer de faire mon mieux. Je veux pas vous vendre du rêve, des choses inatteignables. Je vais essayer de faire de mon mieux et de résolver cette énigme. Déjà, lui, Billy, il se cache. Allez, on se cache sous le lit. Ça, c'est l'idée. À mon avis, c'est ça. C'est bien vu. Bravo. Philippe! C'est ça que t'as marqué? Ah non, Philippe. Hein. Allez. Hé! Hey, Billy! Non, Billy! Ne fais pas ce coup-là. Pas comme ça, Zinedine. Bon, bah là, par contre, Billy... Et en fait, c'était ça, les petits bonhommes qu'on voit, c'est les gens qui sont morts. C'est les petits enfants qui sont morts. Et ben, Billy n'est plus là. Vous voyez? Vous rigolez sur le chat et tout, et puis pendant ce temps-là, ben, y a des gens qui meurent. Bon, on retourne à la télé. Vous pensez qu'on reverra Billy? Moi, j'ai bien peur que ça soit... Que ce soit fini. Maudite télé, diablerie, rends-moi Billy. Rends-moi Billy. Je ferai tout ce que vous voulez. Je ferai tout ce que vous voulez. Aïe. M'a fait mal la télé. Attendez, il faut que j'arrive à capter CNN. Attendez, qu'est-ce que je peux faire? Il est pas mort, Billy. Il est juste été pris dans une boîte à enfants, oui. La télé, c'est le mal. Voilà, c'est la diablerie. Attendez, qu'est-ce que je peux faire, là? Voilà.
Voilà. Oh bah dis. Ah bah bravo. Heureusement qu'il y avait un petit matelas. Bah j'ai plus de lampe torche. Il n'y a plus de Billy, il n'y a plus de lampe torche, il n'y a plus rien. Oh là mon dieu. Ça t'a plu? Ça t'a plu ce passage? Ça lui a plu. Allez, on fait encore une ou deux énigmes, d'accord? Je vous sens là, vous êtes chaud chaud là. Vous êtes chaud patate ce soir, c'est fou. Pas ce que vous avez là. C'est d'être confiné, c'est quoi? Moi d'être confiné, mais alors ça me fait un bien fou. Me sens revive. Quelle bonne idée. Ce premier ministre là, sans vous mentir, en plus il a un petit côté, il ressemble à mon grand-père. Je me sens bien, là, il me confine. Moi j'aimerais bien qu'il me confine encore plus. Des fois je me donne des handicaps. Là on est confiné, bah moi des fois je, par exemple j'ai confiné ma cuisine. Je n'y vais plus. Comme ça j'ai moins de chance encore d'avoir le coronavirus. Je me mets des petits handicaps. Un jour sur deux, la cuisine, les toilettes. Hier c'était les toilettes. Avant-hier c'était la cuisine. Avec ma femme on s'interdit des pièces. Comment on peut faire là, maintenant qu'il n'y a plus Billy? Maintenant qu'il n'y a plus Billy, on est bien dans la panade. Il était bien utile, ce petit bonhomme. C'est pas un vrai confinement, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu serais pas complotiste? Moi je veux pas de complotiste sur mon chat, hein. Faut pas trop confiner les toilettes alors. Sinon c'est la cata sur le tapis. Oh non mais oh là là. Vous êtes bien douillé, hein. Moi, je peux me retenir pendant une semaine. Hein. Pour la France, madame. Pour la France. Mais pour vous, ça ne veut rien dire, évidemment. Ce ne sont que des mots. Des concepts qui vous échappent. T'interdis des pièces avec ta fan, mais je lui interdis les billets. Ah, bon, bah voilà. Moya. Bah, fâche, chacun fait à son idée, hein. Comment on peut faire? Il faut mettre la télé au milieu et puis que je m'accroche à l'antenne, c'est ça l'idée? Hein, je crois que c'est ça en fait. Allez, je tente. Si je meurs, c'est de la faute à Nick Taras. Et voilà, Nick Taras, voilà. Et ton fils, il se retient pour la France? Évidemment. Il faut lui inculquer les choses dès la naissance. Évidemment. Bon, ça fait pas longtemps la mouche là. Allez hop, un petit coup de la mouche. Ah non, j'ai pas fait des animations pour rien. Elles vont servir, hein, croyez-moi. Croyez-moi, vous allez en bouffer de la mouche. Mort pour la France. Bon, attendez là, parce que je ne regarde pas vraiment ce qu'il faut que je fasse. Il y a une télé. Je suis seul. Il y a une petite poulie. Il y a de la poulie. Je peux évidemment manœuvrer cette poulie. Mais je suis seul. Billy serait là, ça serait réglé. Hein. La mouche de la fromagerie Morel. Attendez, j'essaye de comprendre. Ah, on serait de l'autre côté, ça serait beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je comprends pas, là. Ça doit être tout simple, tout idiot. Moi souvent j'ai des problèmes, hein, avec les choses toutes simples. Ah ah. Mais on peut pas attraper l'antenne, on est d'accord. Rappelle-toi que tu es passé dans une télé à une autre. Ah mais oui, voilà, je suis pas attentionné. Vous pensez qu'on peut jumper dans la télé? Non, c'est pas du tout ça. Mais t'as raison dans le fait que je pense que oui, il y a quelque chose à faire. Donc il faut que j'aille mettre la télé là-bas, que j'ouvre la porte avec la clenche et que je me téléporte, c'est ça? Mon esprit malin me dit que ça va être ça. Merci pour l'indication. Hein. Alors je monte là-dessus évidemment. J'ouvre la clenche. Et voilà.
C'est ça. Un nouvel élément de gameplay. Et voilà. Merci. Merci, merci. Bon bah moi, les jeunes, je m'en vais. Eh bah écoutez, attendez. On va s'arrêter là. Allez, Eve, la prochaine save. Ah bah voilà, c'est ici la save. Elle est juste derrière moi. Donc, on a quoi? On a fait 1h46, c'est très bien. Moi aussi, j'ai envie de m'arrêter ici. C'était très très bien. Je vais repasser en main cam, hein. Comme disent les jeunes. Oh putain, le fond vert a complètement merdé. Ah bah non, c'est parce que le chien était plus là. Et puis on a le bruit de la pluie, donc c'est parfait pour se dire au revoir. Je vais remercier Nick Taras, hein, je vais remercier Aurel qui est passé, je vais remercier Eve, je vais remercier Léa, je vais remercier évidemment ma femme. Et puis tous ceux qui nous regardent, hein, ils sont nombreux. Je vous embrasse très fort et promis demain à 21h. Demain on termine le jeu, hein. Normalement ça doit être à peu près ça. Pas calculé, mais normalement là on devrait pas être loin de la fin. Allez, en 1h30 normalement ça devrait être plié. Donc je vous embrasse tous très fort et je vais vous laisser sur mon excellent générique de fin en vous souhaitant une agréable soirée. Tchuss. Et tenez bon, je sais que les temps sont durs.